Bonsoir à tous et bienvenue sur Zéronet TV, 18h pile, enfin un petit peu plus, 18h01. Et comme chaque jeudi soir, c'est parti pour notre rendez-vous en direct sur Zéronet TV. Bienvenue dans ce 01 Live Hebdo. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler, comme d'habitude, de ce qui fait l'actualité tech. Et en l'occurrence, c'est Windows 10 qui arrive, qui n'en finit pas d'arriver. On verra avec Éric Le Bourlou quand et combien. Eh oui. Combien ? Parce qu'il y a un prix. On évoquera aussi tout à l'heure une appli qui nous a scotché ici à 01net. Si vous êtes un lecteur de 01net.com, sans doute l'avez-vous découverte. Vous connaissez les Siri, vous connaissez les systèmes de Google, les Cortana. Enfin Cortana encore un peu, pas beaucoup, mais ça va arriver. Eh bien, il y a un concurrent potentiel qui est assez impressionnant. Il s'appelle Hound et on va le découvrir tout à l'heure. La chronique Zoom Actu de Delphine Sabatier, comme chaque semaine. Oui, Delphine est là cette semaine. Et Delphine viendra nous parler d'une application qui fait scandale actuellement. C'est Gossip, même viré des stores. Elle nous expliquera tout en détail. Voilà, et puis on terminera avec un petit détour du côté du Labo 01net. Vous le savez, comme chaque semaine, ils seront là. Il y aura entre autres Bruno Cormier qui viendra nous présenter, en fait, pas mal de nouveautés. Un smartphone star, c'est le LG G4. L'Honor 6 Plus aussi. Oh. Et plein d'autres surprises. Donc si vous êtes un fan de smartphone, encore une fois, vous en aurez pour votre argent dans ce 01 Live Hebdo. Je vous rappelle que nous sommes en direct, donc avec le hashtag 01 Live, vous pouvez réagir à l'actualité, poser vos questions à nos journalistes Éric Le Bourlou, Bruno Cormier et nous-mêmes. Voilà. Et puis sachez aussi que c'est un petit anniversaire pour ce 01 Live Hebdo puisque c'est le numéro 60, ah, Jérôme. Oui, c'est vrai. Voilà. Émotion, petite larme. 60, c'est bien, chiffre rond. Et puisqu'on est dans les chiffres, on va franchir dans les minutes qui viennent la barre des 70 000 abonnés sur Twitter. Je pensais que tu allais faire un saut en hauteur ou en longueur, je ne sais pas. Ça pour les 100 000 peut-être, je peux vous faire ça. Mais là non, quand même, non, on va s'arrêter. Donc merci de nous suivre aussi et d'être aussi nombreux sur Twitter à nous suivre. Et comme d'habitude, sur Dailymotion, sur YouTube, sur la Live TV d'Orange et sur www.01nettv.com. Alors, François, il me semble que tu as oublié quelque chose. Non, écoute, tu sais quoi, tu as remarqué, et d'ailleurs, on le dit vraiment très souvent en ce moment sur BFM TV, il fait très très chaud. Ouais, la canicule arrive, tu sais quoi, bon, je vais enlever la mienne. Et je me suis dit, avec en plus l'éclairage que nous avons dans le studio, que nous allons faire un peu champêtre cette semaine et éviter la veste. La bonne nouvelle, c'est qu'on va s'arrêter à la veste. Voilà, ça c'est quand même important. Notre question 01net, Orange, Jérôme, de ce jeudi. Eh bien, c'est à propos de l'appli dont on va parler tout à l'heure, assistant vocal. Alors, vous, aujourd'hui, est-ce que vous utilisez... Ah ben non, tiens, j'ai pas la bonne question sur mon écran, mais je vous l'ai dit de mémoire. Est-ce que vous utilisez votre assistant vocal sur votre smartphone, que ce soit Cortana, Google Now ou Siri? Dites-le nous, vous allez sur 01nettv.com, vous votez et tout à l'heure, on fait le point. Voilà, c'est vrai. Parce que c'est quand même assez tranché. Hein. Il y a plein de gens qui utilisent ces systèmes donc de reconnaissance et d'aide vocale. Et puis d'autres pas. Dites-nous si vous avez l'habitude de vous en servir. On vous attend. 01nettv.com. Éric Le Bourlou, bonjour. Bonjour. Éric Le Bourlou, qui est entre autres notre spécialiste Windows. Et côté Windows en ce moment, Éric Le Bourlou ne chôme pas. Parce que Microsoft, là, prépare quand même l'arrivée de Windows 10 qui est un petit peu plus clair dans les esprits. On commence à avoir pas mal d'informations là. Hein. Oui, bah oui, déjà on connaît la date de lancement officielle de Windows 10, que ce sera le 29 juillet. Donc on savait que ça allait être cet été. On savait pas exactement quand, mais ce sera donc le 29 juillet. Et donc on pourra donc dès le 29 juillet. Télécharger à jour. Sur la plage, donc. Voilà, sur la plage. Vous serez pas en vacances, vous, le 29 juillet? Enfin, il y aura personne dans les rédactions. Voilà, effectivement, c'est pas peut-être la période idéale pour faire un méga buzz autour de Windows 10, mais bon. En tout cas, il y a aussi une histoire d'être prêt pour, vous en parliez, vous étiez au MEDPI il n'y a pas longtemps, pour être prêt pour la rentrée et pour être prêt pour les PC qui vont se vendre bien durant la période qu'on appelle le back to school. Oui, parce que il faut malgré tout que Microsoft envoie aux constructeurs de PC assez tôt quand même cette nouvelle version de Windows 10 pour qu'ils puissent l'installer sur les PC qui seront en vente à la rentrée. Exactement, donc le 29 juillet, c'est assez pratique pour essayer de doper un peu le marché du PC qui est un peu en berne ces derniers temps.
temps à la rentrée. Voilà, donc ça c'est la date de sortie de Windows 10, mais on connaît aussi ses prix. Alors on a beaucoup dit que Windows 10 serait gratuit, hein, il est effectivement gratuit, et ça c'est aussi une autre information. Tous les gens qui sont aujourd'hui sous Windows 7, Windows 8 ont le droit à une petite icône en ce moment qui apparaît dans leur barre des tâches et qui leur propose de passer gratuitement à Windows 10. Alors ça, tout le monde a un peu la découverte. Certains ont même cru que c'est un virus à un certain moment, alors que c'était juste un Microsoft qui vous prévient que vous pouvez passer gratuitement Windows 10. On devient tous parano maintenant. c'est pas Richard Stallman il y a quelques jours qui a dit que Windows et macOS c'était des virus. Des virus, oui, pour lui c'est des virus. Tout à fait. Mais Richard Stallman, porte-étendard du logiciel libre. Voilà, exactement. C'est ça. Et donc, effectivement, voilà, on a cette petite icône et on peut d'ores et déjà réserver sa copie de Windows 10 virtuelle, on va dire, pour être prêt dès qu'on pourra la télécharger. Donc, dès qu'on a ce panneau qui affiche, on peut cliquer dessus. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est une petite icône Windows. Et qu'est-ce qui va se passer le 29 juillet? Dès que le 29 juillet, ils ouvrent les vannes, automatiquement, il se téléchargera, c'est ça? Il y aura une mise à jour automatique de Windows. Donc, vous allez passer. Alors, ça va prendre le temps du téléchargement, plus de l'installation. Ça va prendre un petit peu plus d'une heure. Vous aurez le temps de faire un long bain quand même à la plage. Hein, voilà, t'es pressé, t'as un truc à faire, vite, faut que t'éteignes ton ordinateur, c'est parti pour 2h15, 2 minutes. Après, c'est surtout le téléchargement qui est long, l'installation n'est pas très longue, mais le téléchargement de quelques gigas nécessaires peut être long, donc voilà. Et oui, on pourra effectivement, ce sera téléchargé, et hop, on passera à Windows 10 automatiquement, avec évidemment tous les changements dont on a déjà parlé ici, le retour du menu démarrer, Cortana, etc., etc. Alors Eric, tout à l'heure en préparant ce rendez-vous, tu me disais justement que ça va être un peu serré côté timing pour Microsoft, parce que tu testes donc au quotidien Windows 10 et tu trouves malgré tout que c'est encore pas mal buggé. Il y a encore des bugs, c'est clair que c'est pas des gros bugs, c'est des petits problèmes des petits problèmes d'interaction avec certains menus, c'est quelques petits problèmes d'affichage de certaines icônes. Sur la dernière build, j'ai pas beaucoup joué avec celle qui vient de tomber, mais sur l'avant-dernière il y avait des programmes qui ne démarraient pas. On espère que tout va bien fonctionner le 29 juillet. Les programmes modernes, je parle des problèmes avec des programmes avec des tuiles, certains ne démarraient pas. La tuile. Mais effectivement. Mais en tout cas, on peut espérer quand même que Microsoft aura résolu la plupart de ces problèmes. Parce que là, moi, je suis dans le réseau de mise à jour rapide. Donc, c'est pas forcément des builds de Windows 10 qui sont toutes très stables. Là, on verra sur la prochaine build stable où ils en sont exactement. On a oublié quand même de dire, parce qu'on parlait des prix justement, et en fait, effectivement, parce que tu as dit que c'était gratuit, bien sûr, mais pour certaines configurations, pour certaines configurations, pour ceux qui ont Windows 7 et Windows 8. Jérôme, qui a Windows 95 par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Là, il vaut mieux qu'il change d'ordinateur quand même, parce que là, ça risque de ne pas tourner très bien. Mais pour ceux qui ont par exemple. Guerra, qui a Windows ME, qu'est-ce que ça va donner? Là, ce serait bien qu'il change aussi, parce que c'est la version la plus catastrophique. François Sorel qui n'arrive pas à se décoller de Windows Vista, comment on fait? Alors, mais par exemple, pour ceux qui ont Windows Vista sur leur machine, Windows 7. Encore en train de le faire démarrer, de toute façon. Voilà, mais on a publié d'ailleurs les spécifications minimum qui sont nécessaires pour faire tourner Windows 7, elles sont pas très différentes de ce qu'il fallait pour faire tourner Windows Vista, et a priori, même si vous avez Vista sur votre machine, il y a de grandes chances que vous puissiez faire tourner Windows 10. Tout simplement, tous ces gens-là, Windows 7, Windows 8, on y passe gratuitement pendant un an. En revanche, si vous n'avez pas ces OS-là, si vous avez aussi une copie plus ou moins légale, même si vous pourrez passer, mais on ne sait pas trop encore ce que ça va donner. J'aime bien le plus ou moins légal, parce que c'est pas sûr qu'elle soit légale, mais c'est pas sûr aussi qu'elle soit illégale. Si vous ne savez pas trop, vous l'avez téléchargé. Qu'est-ce qui va pas se passer sûr, là vous avez un bon... Alors, vous pouvez aussi l'acheter, et vous pouvez l'acheter donc une licence de Windows 10. On ne sait pas exactement s'il sera disponible sous forme de disque, ou si ce sera juste une licence qu'on pourra ensuite télécharger l'OS. Mais en fait, en gros, il y a deux prix. Alors, on pensait que ce serait un petit peu moins cher en vrai, mais donc ça reste quand même un petit peu, c'est pas hors de prix, mais quand même. Donc pour la version grand public, la version home, Microsoft a annoncé que ce serait à peu près $119, donc en euros, c'est sans doute le même prix en euros, 119 euros à peu près. Et pour la version pro, donc la version plus complète pour les gens qui sont un peu des power users, c'est $199. Donc voilà, ça ce sont les prix pour s'acheter une licence en fait Windows 10 à partir de rien. Mais alors j'ai pas bien compris, si j'ai une version piratée, mise à jour gratuite ou pas? Enfin, mise à jour ou pas? Il y aura une mise à jour, mais cette mise à jour
vous indiquera que votre version n'est pas légale. Voilà. Ah. C'est ce qu'on sait pour le moment. Il y aura un gros panneau en plein milieu qui Il y aura marqué que votre version n'est pas originale et qu'il serait bon que vous passiez à une version légale. C'est combien de millions de Windows piratés en Chine? C'est une bonne question, même sans doute. Plusieurs, ouais, on est bien au-delà des millions, je pense. Ouais, ouais. Effectivement, mais ouais. Effectivement, alors là, pour ceux qui ont des versions piratées de Windows, il y aura un moyen, en passant par le store, de télécharger une version, une licence, en fait. Là, on ne sait pas le prix, hein, mais ce serait à peu près le même prix que le chiffre que je viens de donner pour la version Home, sans doute, pouvoir passer à une version légale de Windows. On a une question sur Twitter, parce que vous savez, vous pouvez réagir comme d'habitude sur Twitter, hashtag 01live. En plus, Florian Beaufreton fera apparaître votre tweet sur l'écran. C'est nouveau, c'est pas c'est mal ça. Fête, ça hein. On a une question. Salut, moi j'ai Windows 8.1 et je n'ai pas encore l'icône de précommande. Est-ce que c'est grave, docteur? C'est peut-être une histoire de mise à jour, mais en tout cas, ça devrait arriver. Il ne faut pas s'inquiéter. Hein. De toute façon, on a un an pour mettre à jour Windows gratuitement. Donc, j'imagine Windows qu'on 10. Peut même, si par exemple, on n'a pas ce petit pop-up, aller sur le site le jour où Windows 10 sera disponible pour Exactement. Télécharger la version Exactement. Et l'installer. Il ne faut pas s'inquiéter, il n'y aura pas de souci pour passer à Windows à partir du moment où la copie est évidemment légale. Voilà, on a eu un auditeur aussi qui nous demandait si on avait la date de disponibilité de Windows 10 sur Xbox One, Eric. Alors, on n'a pas exactement, a priori, ce serait quand même plus tard, ce sera pas cet été, ce sera plutôt à l'automne. Et pour l'instant, ils n'ont pas communiqué exactement la date, mais ce sera plutôt vers la fin de l'année, ouais. Voilà, dernière question, celle de Laurent sur Twitter, hashtag 01live. Est-ce qu'on a des news concernant Windows Phone 10? Alors oui, on a des news. Windows Phone 10 devrait aussi arriver incessamment. Je ne sais pas exactement à quelle date, ça pourrait être concomitant avec Windows 10. En tout cas, je pense que ça dépendra aussi des différents mobiles, des différents smartphones. Ce sera une update qui sera faite par le fabricant de smartphones, essentiellement Nokia évidemment, mais qui sera peut-être étalée dans le temps, quoi. Très bien. Bon, alors ça, Windows 10, c'est fait. On attend jusqu'au 29 juillet. Je pense qu'on aura, en plus des mises à jour régulières qui nous laisseront entrevoir en fait les grosses nouveautés. S'il y en a encore de Windows 10, hein, donc on aura. Là, au niveau des nouveautés, je pense que c'est fini. C'est au niveau des features, c'est terminé. On aura, c'est ce qu'on aura. Allez, petit clin d'œil maintenant, toujours avec vous, Eric, sur zeronet.com. Vous pouvez découvrir une appli, en tout cas une vidéo qui montre une appli incroyable et qui tue les systèmes d'assistance vocaux qu'on connaît déjà. Une petite démo, puisqu'il y a une petite vidéo qui circule. Alors, je ne sais pas si on peut la montrer, Florian. On y va, la vidéo est pourrie, mais regardez quand même, ça permet de se donner. What time is it in Tokyo? On ne dit pas pourri. It is 10:53 a.m. the next day in Tokyo. What time is it in Tokyo when it's 2 p.m. in San Francisco, California? It is 6 a.m. the next day in Tokyo when it is 2 p.m. in San Francisco, California. When is the sun going to rise 2 days before Christmas of 2021 in Tokyo, Japan? Sunrise in Tokyo, Japan will be at 6:47 a.m. on Thursday, December 23rd, 2021. Alors, ce qui est incroyable, c'est la réactivité, la vitesse à laquelle répond cet assistant vocal. Complètement. Alors ça, cet assistant vocal s'appelle Hound. Les gens connaissent peut-être Hound, puisque c'est les gens qui ont créé... H-O-U-N-D. Voilà, c'est en fait, c'est les gens qui ont créé SoundHound qui ont fait cette appli. Oui. SoundHound, c'est un espèce de Shazam-like, hein. C'est un peu comme Shazam, mais un peu plus performant, puisque ça reconnaît même les chansons que vous lui chantez directement. Vous n'avez pas besoin forcément. Donc, ça c'est bien. Donc ils sont spécialisés dans la reconnaissance audio depuis longtemps et ils ont mis depuis 8-9 ans, ils travaillent sur ce projet parallèle qui est en fait assez impressionnant, qui est effectivement une sorte de Siri ou de Cortana en plus performant. Comment ils font en fait et quelle est la différence principale entre Siri et Cortana et ça c'est que quand vous lui posez une question, va interroger sur un serveur, analyse la question à distance, vous renvoie le résultat. Ce qui fait qu'il y a un délai. Vous avez un délai. Là, en fait, le logiciel analyse directement vos mots, les interprète directement au fur et à mesure de ce que vous racontez. Et il fait des recherches sur Internet en même temps, parce que malgré tout. Il fait en même temps toutes ces opérations. Ce qui fait que, alors vous n'avez même pas fini de parler, lui, il a déjà compris ce que vous lui avez dit, il est déjà allé chercher des trucs sur Internet et vous les ramène immédiatement. Donc ça, c'est vrai que c'est assez bluffant, cette capacité à comprendre, mais déjà il y a la compréhension, la compréhension des mots. Alors ça, c'est de l'anglais, en plus la personne fait exprès de pas très bien prononcer, donc il n'a pas la moindre erreur, et il y a en plus effectivement la rapidité d'accès à l'information. Donc
le problème de tous ces assistants vocaux jusqu'alors, c'est qu'en fait, souvent, ils sont plus lents à utiliser que quand vous tapez sur votre clavier. Là, la promesse, c'est de dire vous allez aller plus vite en tapant sur votre clavier. Ouais. Et effectivement, ça a l'air plutôt efficace. Ça a l'air pas mal. Hound, vidéo à voir donc sur zeronet.com. Ouais. Alors la voix de la petite secrétaire là, c'est pas terrible. Hein, c'est pas terrible, mais c'est ça a été volontairement fait, je pense, pour montrer que c'était rapide. Mais et c'est impressionnant, hein. Voilà. Et ça va sortir donc d'abord sur Android. C'est pour l'instant, c'est sur invitation. Vous pouvez tester pour l'invitation. Il faut parler anglais, par contre. Hein. Malheureusement, ce ne sera pas disponible en français tout de suite. Et ça viendra sur iPhone après. C'est d'abord Android et ensuite iOS. Windows 10, c'est trop bien, nous dit Fabien. C'est vrai qu'il y a une grosse attente pour Windows 10. Mais bon, ouais, ça, c'était beaucoup, le sujet d'avant. Merci. Eric Le Bourlou, rédacteur en chef du pôle actu de zeronet.com. Alors, vous, est-ce que vous utilisez votre assistant vocal? C'est la question zeronet orange du jour. Et voici la première tendance. Eh bien, occasionnellement 42%, jamais 38%, tout le temps 18%. 18,67%. On voit quand même qu'entre les occasionnellement et les jamais, la majorité est écrasante. Hein, ouais, absolument. Ouais. On continue, on vote jusqu'à 18h30, 01nettv.com, le seul lien pour retrouver 01 Live Hebdo et tous les directs de 01net TV. Notez-le, elle est là derrière nous, juste là, enfin plutôt devant nous, et on va la retrouver dans un instant. C'est Delphine Sabatier pour notre Zoom Actu. Delphine Sabatier. Bonsoir Delphine. Delphine, aujourd'hui on va s'intéresser à cette appli qui fait le buzz et qui fait même carrément scandale. Ça fait un carton dans les cours de récréation et on va vite comprendre pourquoi ça fait scandale. C'est la fameuse appli Gossip qui permet de créer des rumeurs. Elle a d'ailleurs été suspendue après plusieurs plaintes. Alors d'abord, l'appli elle-même c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, on va juste rappeler un peu le principe. Donc c'est une appli qui est compatible avec les smartphones iOS et Android et pas encore Windows Phone. Il faut que je remonte mon micro, oui. C'est ça ? Ok. Et là, on vous entend parfaitement, c'est bien. Vous la téléchargez, il y a un petit tuto qui vous explique tout très simplement, très clairement. Donc c'est vraiment une appli pour diffuser vos ragots, toutes vos rumeurs, tous vos potins. Ça, c'est chouette. Et de manière absolument anonyme. Vous envoyez ça à vos contacts, donc ils savent que ça vient de leur cercle, mais ils ne savent pas exactement qui a balancé l'info. Par exemple, on est tous les trois dans un cercle, il y en a un qui dit, je ne sais pas, ouais, oh là là, il y en a un qui n'a pas une belle chemise, on ne saura pas qui c'est. Si vous êtes dans mon carnet d'adresse... D'accord. Je suis dans votre carnet d'adresse, vous allez savoir que forcément c'est l'un de nous trois. D'accord, mais on n'aura pas plus de précision. Non. Oh là, j'ai vu 140... circuler des trucs sur toi. Ouais. Oh, j'étais un peu étonné. Hein. C'est pas moi. C'est pas moi non plus. 140 caractères pour s'exprimer, bon d'accord. Ça c'est assez classique. Ouais, c'est classique. Et puis on peut apporter des preuves. Donc horrible. Des photos, donc, des, photos des vidéos de 10 oh secondes maximum. Oh, et il y a un petit plus, un petit bonus qui est très à la mode parce que ça fait penser aux applis éphémères type Snapchat. Le message s'autodétruira dans 10 secondes. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est un peu l'appli rêvée pour les ados, les cours de récré. Et justement, ça a fait son grand succès, mais aussi son grand malheur à cette application. Que, alors, cette appli fonctionne bien. Depuis son lancement dans les milieux scolaires, elle aurait déjà fait des dégâts. Des syndicats de lycéens ont demandé même son interdiction et une pétition a été lancée sur change.org. Oui, c'est particulièrement des lycéens de Strasbourg, violent, hein, voilà, qui se sont mobilisés et qui ont fait savoir qu'ils étaient très inquiets parce qu'il y avait un climat malsain qui régnait dans cette école depuis que tout le monde utilisait Gossip et même un climat de harcèlement. Donc voilà, certains s'inquiètent de possibles dérives dramatiques, par exemple des jeunes qui pourraient se suicider à cause de persécutions suite à des rumeurs. Bon, ça c'est un peu extrême, mais c'est quand même, la pression est montée très vite parce qu'en plus c'est une appli française. Donc, on a tout de suite du poids dessus. La ministre Najat Vallaud-Belkacem est montée au créneau, a appelé à une extrême vigilance vis-à-vis de cette application. Et du coup, voilà, elle a été suspendue. Mais alors, qui a fait cette appli? Qui a créé cette appli? Alors, moi, je ne l'ai pas rencontrée, mais visiblement, c'est une jeune femme parisienne, donc pas très loin de chez nous, qui s'est fait aider aussi par une agence de communication. Donc, il y a un très joli design. En revanche, on sent quand même que c'est un peu amateur, hein, pour moi. Il y a des fautes d'orthographe presque tous les écrans. Il y a des explications très approximatives sur la manière dont ça fonctionne et aussi sur la compatibilité Windows Phone, qui a un logo qui apparaît plus bon. Sur l'âge, sur l'App Store, on a pu le télécharger quand on avait 12 ans, alors que finalement, il faut être majeur. Ah ben non, il faut avoir 16 ans.
Bon, ouais, tout ça, c'est donc quand même... Donc, il y a plein de, on va dire, d'irrégularités. Exactement. Et en tout cas, moi, ça ne me donne pas envie de confier mon carnet d'adresses à une application comme ça, qui semble faite un peu par une jeune parisienne qui a la langue bien pendue, comme elle le dit elle-même. Je pense que c'est là le premier danger. Alors, de là à dire qu'il faut interdire... Est-ce qu'il faut interdire cette appli ? Cette application, selon vous ? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est un effet de mode, que les utilisateurs vont aussi vite se rendre compte qu'il n'y a aucune barrière de sécurité. La modération n'était même pas prévue. Alors là, c'est peut-être ce qui va être mis en place. Mais face à tant d'amateurisme, moi, je dirais plutôt ne l'utilisez pas. Et puis, ça mourra de lui-même comme Secret aux États-Unis, qui a connu un grand succès. C'est exactement le même principe à son lancement. Grosse levée de fonds. Tout le monde pensait que c'était la success story des prochaines années. Et finalement, ils ont fait faillite. Ils ont fermé leurs portes fin avril. Gossip, donc, si ça vous amuse, à consommer avec modération. Si ça vous amuse, n'allez pas la télécharger. Ouais. Voilà. Moi, je dis attention, danger. Non, puis faire des conseils aux enfants, quand même. C'est pas la peine. Complètement. Mettre le doigt là-dedans. Il y a d'autres choses plus rigolotes et bon enfant, comme Chuck. Ce qui est bien, c'est que surveillez vos ados. Il y a d'autres applications ados, plus sympas. Surtout, téléchargez pas le truc. Qu'est-ce qu'ils font en premier ? Ils y vont. C'est mais pas là, ils pourront même pas l'utiliser. Si ça va pas, être décevant, en plus. Ouais, c'est ça. Bon, Delphine, merci beaucoup. Juste une petite question. Oui. Dans un instant, David Noguera va nous parler des aspirateurs robots. Et je me posais la question, à la maison, qui passe le robot ? C'est monsieur ou madame ? Et qui passe l'aspirateur. Alors, je l'ai eu à la maison, moi, ce robot. Et c'était génial parce que du coup, tout le monde le passe. Et voilà, c'est ça. Même les petits-enfants. Et ça les amuse beaucoup. Bah oui, ils se passent tout seuls. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu la jungle aux aspirateurs robots. Il y en a énormément. Comment les choisir ? Eh bien, on va faire le point avec David Noguera. Et puis Bruno Cormier sera là avec sa petite sélection de smartphones. On va parler entre autres du LG G4 dans un instant. Delphine, merci beaucoup. Directrice à la rédaction de Zeronet.com. Ben oui, ils sont là. Et oui. Ils sont là, ils sont en place. Regardez-les, magnifiques, ils sont superbes. Bruno Cormier à ma droite, David Noguera à ma gauche. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir messieurs. On commence par qui ? Allez, on va commencer David, par... David. On commence par David. On va commencer par David. Il est en train de dire un truc, il a pas le temps là. Il n'est pas prêt Bruno, il n'est pas prêt. Juste avant, vous avez toujours le hashtag 01Live, bien sûr, pour réagir, pour poser vos questions sur les aspirateurs robots, sur le LG G4 qui vous fait peut-être rêver, ou bien sur l'Honor 6 Plus que Bruno Cormier est en train de compulser. N'hésitez pas, hashtag 01Live. Il compulse un smartphone. Ah, je crois, le compulsing. C'est le smartphone compulsing. Ouais. Les aspirateurs robots, et oui, parce qu'effectivement, alors on a j'en ai un sur il est beau, avec nous là, sur le plateau. C'est un modèle LG, effectivement, je l'ai pris parce que je le trouve plutôt joli, un peu nacré. Voilà, c'est fini l'aspirateur robot qu'on cache quand on a des invités. On a maintenant Je ne l'approcherai pas au-dessus de la cheminée quand même. Non, mais c'est plus le produit qu'on va effectivement camoufler dans une pièce et qu'on va sortir de temps en temps. C'est quand même un joli produit. Alors, on a effectivement, on va publier dès demain un comparatif top 10 des aspirateurs robots. Voilà, on les voit, on les a un petit peu lancés au labo, on les a lâchés, ils se sont beaucoup amusés. Quand on voit au labo en ce moment, il y a des bruit. Trucs qui crapahutent partout. Voilà. C'est ça, il y a eu déjà deux jambes cassées. Il y a eu des blessés, hein. C'est ça. Est-ce qu'ils se reproduisent quand ils se touchent comme ça ? Non. On n'a pas vu de nouvel objet. Il n'y a pas eu d'un bébé, d'un LG, d'un Samsung, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être un élevage. Comment on les nourrit ? Donc voilà, donc effectivement, on a un nouveau Comparo qui va être mis en ligne, puisqu'on faisait des tests de manière assez régulière, mais on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe, puisque ces aspirateurs robots, maintenant, je vais le dire tout de suite, ça fonctionne quand même plutôt bien. Oui, parce que pendant plusieurs années, on s'est posé la question quand même. Il y avait beaucoup de choses. C'était plus du gadget qu'autre chose. Ça s'en mêlait dans les fils, ça passait pas sous certains meubles, ça en laissait beaucoup derrière. Voilà. Donc aujourd'hui, ça faisait beaucoup de bruit aussi. Est-ce qu'ils sont un peu plus silencieux ? Alors, il y a des modèles plus silencieux. Je vais pas pouvoir effectivement commencer donner toutes les réponses. On peut, et on peut par contre, si je le lance, il ne va pas tomber. Par contre, il va pousser les PC portables. Non mais alors attention, on va tenter le coup. Alors attention, mesdames, messieurs, je crois que c'est la première fois que vous allez vivre cette scène. Donc un aspirateur robot sur le plateau d'une émission. Normalement il va partir. Voilà, attention. Je suis pas sûr de l'avoir éteint. Il s'est réveillé. Déjà c'est rapide, hein. C'est ça qui est bien. Voilà. C'est que ça se il s'est réveillé, il faisait deux. Voilà. Oula. Donc
Ah oui, donc là, il a vu qu'il y avait un obstacle. Donc là, il y a des capteurs de vide, et celui-ci, il est plutôt pas mal, puisqu'en fait, il a en plus des capteurs sur le devant, au bord de la... ce qui fait qu'il ne pousse rien. Voilà, donc là, voilà, il effleure le PC portable sans jamais vraiment... Voilà, et il est plutôt silencieux. Bon, là, il pousse quand même. Non, mais il est obligé, d'aller chercher les... Il est fou. Il est obligé d'aller chercher. Donc ça, c'est... On va l'arrêter. Il est obligé, ça, c'est pour tout longer les plaintes. On peut un peu lui monter dessus, comme ça. Très bien. Bravo, très bien. Donc ça, c'est effectivement les petites brosses. Alors, comment bien choisir l'aspirateur robot? C'est ce qu'on va effectivement décrire dans le comparatif. Il y a forcément un point important. D'abord, c'est le format. Il ne faut pas que ce soit trop gros, puisque Samsung s'est essayé avec un très gros modèle, l'aspirateur cyclonique. Alors effectivement, ça fait beaucoup de bruit, ça aspire très bien, mais ça passe sous aucun meuble. Ouais, donc ça, ça ne sert pas à grand-chose. Donc premier critère, c'est quand même la hauteur de l'aspirateur robot. Il y a des modèles très très fin chez Hoover, il y a des modèles, la bonne moyenne c'est 8-9 cm, avec ça on est à peu près sûr de passer sous un canapé, sans aucun problème. Bien voilà, sous les canapés pas de souci. On peut essayer effectivement commencer à aller sous les tables basses, effectivement les tables, voilà, c'est toujours pareil, ça dépend du mobilier. Donc le critère c'est quand même la hauteur de l'aspirateur robot. Le canapé, ça n'existe pas, non, Toi, tu ne passes plus l'aspirateur, mais tu soulèves toujours le canapé. D'accord. Voilà. Deuxième critère, c'est effectivement la conception. Donc, pas hésiter effectivement à soulever un peu le robot avec ses brosses d'angle. C'est ce qui va permettre au robot en fait d'aller nettoyer le long des plinthes, dans les coins des murs et le contour des pieds de table, etc. Et la brossette, enfin la brosse centrale qui est en dessous. Là, si on a des animaux, si on a chat, chien, effectivement, il faudra commencer à se poser la question, puisqu'il faudra une brosse adaptée. Parce qu'il y a ça tombe bien, David, puisque nous avons Laurent qui nous demande ceci. J'ai un chien qui perd plein de poils longs. Ça marche quand même? Ça marche quand même. Il y aura l'opération de nettoyage qu'il faudra faire plus souvent, puisque ça va avoir tendance à s'emmêler un peu autour de la brosse. Mais si l'aspirateur est prétendu pour fonctionner avec les poils d'animaux, ça c'est quand même pas mal, parce que effectivement dans les faits, ça fonctionne. Il y a des brosses spéciales. Oui, il y a des brosses aux cheveux. Exactement. Celle-ci, elle a, je vais pas la sortir parce qu'on va vraiment tout salir. Je sais pas si on voit, mais il y a une partie grise et une partie rouge. Ah, oui. Et voilà. Et donc c'est cette double texture qui fait qu'il y en a une qui est effectivement plus pour les saletés et l'autre pour les poils d'animaux. D'ailleurs, Bérangère est en train de nous faire un joli zoom. Et voilà. Et donc, on va voir que c'est effectivement, même en nettoyant, toujours, il reste quelques cheveux. Très bien. Voilà. Bon. Et la fourchette de prix, David? Alors, la fourchette de prix, effectivement, 349, 750 euros. Bon, 900 euros chez Samsung, mais c'est encore tout. C'est le modèle dont je parlais tout à l'heure. C'est pas un modèle que je recommande, le Cyclo, parce que vraiment, c'est pas fait pour faire du nettoyage. Il est beaucoup trop gros. Et autre bonne surprise, l'autonomie, on est aujourd'hui à plus d'une heure, donc finalement pour un salon, même au-delà de 50 mètres carrés, c'est pas de problème. De toute façon, s'il n'a plus de batterie, il retourne à sa base, il refait le plein et il repart. Bon, c'est donc super. Allez, il faut nous faire une petite vidéo, David. Hein? Ouais. Ah oui, c'est dans les tuyaux. Ça va être la course des aspirateurs robots dans les locaux de Zéronet. Exactement. Sympa. Ça va être cool. Dernière question, Lucien, qui est un peu paresseux quand même. Peut-on activer son aspirateur robot avec une montre connectée? Et non, ça, pas encore. Vous êtes sur le canapé. Ah oui, oui. C'est ça. Pas encore, mais ça pourrait venir. Hein. C'est effectivement, j'ai un modèle au labo qui fonctionne avec, a priori. Il y a un lien avec une application qui permet de lui définir la pièce dans laquelle il doit travailler. Et puis Caribou, quelle est l'autonomie en fait de ce genre d'appareil? On est, alors donc, comme je le disais, sur une bonne moyenne qui est de plus d'une heure. Certains vont jusqu'à 2 heures. Très bien, merci beaucoup David. Merci David. Le test complet dès ce soir ou demain, c'est ça? Demain. Demain sur 01net.com. Bruno Cormier. Ouais, rebonsoir. Ah, Bruno Cormier qui est venu avec un smartphone qui fait saliver beaucoup de tweetos. Mais c'est dommage parce que c'est presque là, on ne va pas avoir le temps d'en parler. Ah ouais. Merci Bruno. Non. Merci Bruno. Merci beaucoup, c'est sympa d'être passé. À bientôt. Bon, quoi qu'il en soit, les deux tests de ces deux smartphones sont déjà publiés sur le site. Ouais. Et puis il y aura un test vidéo un peu plus détaillé lundi matin pour sur le G4. TV, pour le G4. Et l'iPhone 6 Plus aussi arrivera en vidéo. L'iPhone 6 Plus, ça il dit n'importe quoi. Ça c'est quand même un scoop quand même, parce que franchement, t'as l'iPhone 6 Plus déjà, ça c'est fort. Bon, alors, le LG G4. LG G4, topo. Alors, vous savez, la grande nouveauté de ce smartphone, c'est le dos en cuir. Hein. Donc, honnêtement, beaucoup détestent. Moi, j'adore. Mais c'est simplement parce que j'ai mauvais goût. Et donc. Non, regarde, ton t-shirt est super. Non, c'est très sympa. Ok, je ne le mettrai plus, d'accord. Non, il est bien. Oui, donc voilà. Alors, le coq en cuir, c'est vraiment
très réussi. Vraiment, la finition est très propre. Alors, la question, c'est l'usure. Est-ce que ça va s'user? Il va pas falloir trop le frotter et le poser n'importe où, à mon avis. Mais en tout cas, c'est très propre, patine, c'est très joli. Et ça se patine, c'est vrai. Ça donne un certain charme, pour le coup. Et l'avantage, c'est que cette coque, elle reste amovible avec une batterie amovible. Et ça, nous, on l'a beau. On aime ça, puisque c'est un gage de durabilité pour le smartphone. Oui, si parce on que veut, c'est on vrai peut que... changer la batterie. Alors que la plupart des autres constructeurs choisissent maintenant ce positionnement de smartphone fermé, avec batterie qui est pas amovible, enfin voilà, tous ces trucs-là, pas de port de carte SD, c'est le cas du Galaxy S6. Apple, quoi. Voilà, là, on reste vraiment dans une configuration où on peut malgré tout changer sa batterie et puis rajouter de la mémoire. Voilà. Donc seul petit bémol, c'est le pourtour de l'appareil qui est en plastique glossy. C'est pas, ça dénote un peu avec le cuir, c'est un peu dommage. Mais l'appareil est vraiment très bon. Alors c'est un champion de la photo. Il est juste incroyable en photo, notamment en basse lumière. Il explose sur notre mire, en tout cas il explose l'iPhone, il explose le Galaxy S6, de peu mais il le fait. Il est très précis, il fait des photos extrêmement lumineuses en basse lumière, enfin, c'est vraiment impressionnant, il déclenche très vite, c'est très difficile de le tromper. Alors dans certains cas, par très forte lumière en extérieur, on a trouvé que les photos étaient un peu trop retouchées. Alors à mon avis, c'est une simple mise à jour pourrait peut-être essayer d'adoucir cette retouche photo. Petite question sur Twitter, est-ce que ce G4 a un dos auto-réparateur comme le LG G Flex 2? Non, pas du tout. Mais le cuir n'est pas auto-réparateur. Hein. Voilà, mais le dos auto-réparateur du LG G Flex 2, on ne l'a jamais vu non plus. Donc, en fait, ça auto-répare rien. Ça auto-répare que dalle. Ouais. Ça, c'est embêtant. On part sur les salons avec des machines de démonstration, etc. Ouais, dans la vraie vie. Non, mais c'est-à-dire que voilà, il faut faire des toutes petites rayures. Mais vraiment, c'est minuscules, des trucs qui ne vous arrivent jamais. Parce qu'en général, quand on fait une rayure, on y va. Exactement. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, il plaît à pas mal d'internautes et de tweetos. Voilà, alors l'écran est excellent. C'est le premier écran IPS qui approche les 2000 pour 1 de contraste. C'est juste une prouesse totale technologiquement. C'est vraiment balèze. En plus, il va très loin dans il affiche des couleurs très saturées, pas très fidèles malheureusement. Alors le seul problème de ce téléphone, pour faire court, c'est l'autonomie quand on l'utilise de manière intensive. Et le problème, c'est que qui va acheter 700 euros un téléphone, c'est les gens qui veulent l'utiliser intensivement. Et ça, le problème, c'est que dans notre nouveau test d'autonomie en utilisation intensive, il fait un mauvais score par rapport à la concurrence haut de gamme. Par contre, dès que, par exemple, pour une simple lecture vidéo où le téléphone a très peu d'efforts à faire, il monte à 12 heures, ce qui est un excellent score. Donc, tout dépend des usages, en fait. Voilà, et c'est encore le même processeur. C'est un processeur avec qui consomme trop quand il est en fonctionnement, en fait. Voilà, le GG4 qui a pas mal d'atouts, mais on le voit, un petit défaut côté autonomie, et c'est quand même assez difficile. Globalement, il a une autonomie moyenne, on va dire. C'est ça. Merci beaucoup, Bruno. Alors, autre téléphone. Alors, ce n'est pas l'iPhone 6 Plus, c'est le Honor 6 Plus. Mais tu dis ça parce qu'il ressemble quand même à tout petit peu. Mais parce que, comme son nom l'indique, son but, c'est de tuer l'iPhone 6 Plus et il coûte 400 euros seulement. Avec 32 gigas de mémoire interne, joli, NFC, il y a même un IR Blaster, ça s'appelle un petit émetteur infrarouge pour faire office de télécommande. Il a un écran d'excellente qualité, vraiment bluffant, très fort contraste, c'est très très beau, il est fidèle, vraiment excellent écran, c'est très fluide, l'interface de Huawei est toujours très sympa, il suffit juste de s'y adapter quelques heures, c'est très sympathique ensuite. Il a une bonne autonomie, il fait quasiment 2h30 de plus que le G4 dans notre même test intensif. Il a tout pour lui, il est moins large, moins long qu'un iPhone 6 Plus, il est juste un tout petit peu plus épais. Et ah oui, alors bon, il a la même taille d'écran que l'iPhone 6 Plus, c'est du 5,5 pouces. Ouais. D'accord. Et voilà, la particularité, regardez, c'est ces deux capteurs là. Ouh, il y a deux appareils photo, dites donc. Voilà. En fait, c'est deux capteurs 8 mégapixels couplés. Alors, à quoi ça sert? En gros, ça sert parce que c'est des capteurs 8 mégapixels, ça sert à sortir une photo en 13 mégapixels avec un upscaling vraiment très propre. Ça sert aussi à avoir beaucoup de luminosité en basse lumière. Donc, bon, voilà, après, ça sert pas à grand chose de plus, je dirais. Mais est-ce que c'est du gadget ou est-ce que ça améliore considérablement la qualité des photos malgré tout? Eh bien, en termes de qualité de photo, il est derrière l'iPhone 6 Plus. Qui n'a qu'un capteur.
de 8 mégapixels. Un seul capteur de 8 mégapixels, mais stabilisé optique, alors que ces deux ne sont pas stabilisés en optique. Donc, ils ne jouent pas dans la même catégorie. Mmh. Mais il est derrière l'iPhone 6 Plus, mais quand même, il n'est vraiment pas mauvais. À 400 euros, c'est l'un des meilleurs photophones du marché. Ah. Surtout que... on a droit à un troisième capteur 8 mégapixels, juste ici, 8 mégapixels pour du selfie. Et les photos en selfie sont juste impressionnantes, quoi. Et donc, je pense qu'à 400 euros, c'est le meilleur selfie phone du marché, quoi. Voilà. Voilà, la meilleure affaire du moment si on veut un grand écran avec un beau smartphone bien fini. Voilà, après, c'est un écran 5,5 pouces, donc l'utiliser à une main, c'est... Oui, c'est un peu limite. C'est très limite, ouais. Voilà, c'est le choix de chacun. Le Honor 6 Plus disponible déjà, ça y est? Oui, il est disponible, 400 euros pile. Merci beaucoup Bruno Cormier. Merci Bruno. À retrouver évidemment tout cela en détail sur 01net.com. On parlait aujourd'hui dans 01 Live Hebdo d'assistant vocal. Comment utilisez-vous vous-même votre assistant vocal? Est-ce que vous l'utilisez? Pas beaucoup. 44% de manière occasionnelle, 38% jamais. Et tout le temps, vous n'êtes que 17% à l'utiliser. Oui, C'est quand même un sacré désaveu pour ce service. Moi, je suis dans les 17%. Exactement, je le sais très bien. Oui. Et moi, je m'en sers de temps en temps en voiture. Je trouve qu'en voiture, c'est très pratique, notamment pour dicter des SMS. En voiture, à la maison, voilà, il y a plein de commandes. Pour appeler des personnes, mais c'est vrai que, bon, visiblement, on n'est pas très nombreux. Ce 01 Live Hebdo terminé. Merci de nous avoir suivis comme chaque jeudi soir. Vous le savez, nous sommes là en direct le jeudi soir pour débriefer ensemble l'actualité high-tech de la semaine. Voilà, aujourd'hui encore avec Florian Beaufreton, Bérangère Lepesqueur, Jérôme Giliberto qui assurait la réalisation de ce live. Merci à eux. Bien sûr, on se retrouve tous les jours, vous le savez, sur 01net TV pour suivre toute l'actualité high-tech. Okay, pas facile, pas à facile à dire. Ouais. Hein. Et puis on vous prépare aussi un live spécial WWDC la semaine prochaine. Hein, lundi soir, rendez-vous ici même à partir de 18h. Cette grande soirée Apple, on aura tout ce qu'il faut, hein, à manger, tout ça. Parce que ça va durer un moment, hein, visiblement. Des chips comme pour Google. Et espérons qu'Apple nous annonce pas mal de belles nouveautés. Hein. Un peu l'inverse de la Google I.O. Vous voyez, si les grands Manitou de la high-tech nous écoutent, qu'ils fassent l'inverse de la Google I.O. Mais à mon avis, ce ne sera pas forcément le cas. Hein. Bon. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et à très vite.